Chez Noël, parce que ça déchire. Tu saches dans quelle langue il faut te le dire. Oh, allez! Un problème avec ta nouvelle chanson de Noël, Luna? Tu m'étonnes, je coince comme le Père Noël dans une cheminée. Oh, mais c'est pas mal ça. Le Père Noël est resté coincé. J'attends mes cadeaux, donne-les, 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 donne-les. Oh, c'est nul. Je te le fais pas dire, ta chanson ne mérite vraiment pas qu'on l'encense. En voilà un. Ça commence fort pour mes 12 jeux de mots de Noël. Je deviens bonne en grandissant, je prends de la bouteille. Encore 10. Lincoln, regarde, je viens de trouver la tenue idéale pour Noël. Les enfants, vous n'auriez pas vu ma nappe à motif écossais? Oh, te casse pas la tête, Bobby, mon ours grincheux. Je sais bien que c'est notre premier Noël ensemble et que je vais me souvenir toute ma vie du cadeau que tu me feras. Mais te mets pas la pression. C'est ça, je me mets pas la pression. Oups, c'est pas les miennes. Excusez-moi, ça va prendre un peu de temps. Coucou, grand frère préféré. Si tu veux bien, je me ferai un plaisir de plonger dans cette pile de bottes d'hiver qui pue les pieds pour retrouver ta paire. Et voilà, mon bon monsieur, une belle paire de bottes de grand frère. Oh, mais dis donc, super classe. Bon, d'accord, qu'est-ce que tu veux? Donner une bonne image de moi au Père Noël. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas un ange. Alors si je vais être sur la liste de ceux qui auront des cadeaux, j'ai un jour pour faire oublier les 12 mois où je suis une peste. Tu perds ton temps. Si on factorise la vitesse du traîneau, les changements de fuseau horaire et les pauses pipi du renne, il est scientifiquement impossible pour le vieil homme qu'on appelle le Père Noël d'apporter les cadeaux aux milliards et quelques enfants du monde entier qui remplissent les conditions. Comme vous pouvez le voir, X égale complètement irréalisable. T'as de la chance que ce soit la journée où j'ai décidé d'être gentille. Vous savez ce qui me plairait pour Noël? Une cheminée plus grande. D'accord, maman. Et le Père Noël la poserait où? Ça fait trois. Tu sais, Lily, c'est chaud, cette manie de baver. Chaussettes et de quatre. Tu vois quelque chose? Non. Oh, vous cherchez où papa et maman ont caché les cadeaux? Vous êtes allés voir dans la commode de papa? Tu veux parler du tiroir où il range ses caleçons? Lincoln, s'il te plaît, tu nous prends pour des débutantes ou quoi? Dans la cuisinière. Ah, tu es là, fiston. Tu arrives pile pour goûter à la petite merveille que j'ai préparée pour le réveillon. Le pudding aux filles. Si je goûte maintenant, je vais plus avoir la surprise tout à l'heure. Et c'est pas ce que tu veux. Ce serait bête, papa. Tu serais marron. Marron 5. J'adore tes 12 jeux de mots de Noël. Tu veux goûter, Loane? Pas tout de suite, mais à table, tu m'en donneras un bougie compte bien. T'as compris, bougie, ça fait 6. Il faut pas que je traîne au fourneau, j'ai affaire traîneau 7. Excellent. Eh oui, tout le monde ici est déjà à fond dans l'esprit de Noël. Hé, les Loud, qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Enfin, tout le monde, sauf notre vieux râleur de voisin, Monsieur Grognard. Il porte bien son nom, celui-là. Surtout pendant la période de Noël. Hé, les Loud, baissez-moi donc cette musique insupportable. Hé, les Loud, éteignez ces horribles guirlandes. Oh. Bon, je vais pas laisser Monsieur Grognard me gâcher les fêtes de Noël. J'ai une semaine de vacances, il y a 30 cm de neige et je suis avec ma luge, la Téméraire 8000. Que j'ai affectueusement surnommée la Grande Rouge. Ça fait un moment qu'on attend de pouvoir profiter de la neige tous les deux. Alors excusez-nous, mais... Hey ouais. Wouhou ! Mon filet à reine a fonctionné ! Désolée, Lincoln, je m'entraîne pour ce soir. Je veux en capturer un et le garder comme animal de compagnie. Wouhou ! Ah, ma fausse reine a fonctionné ! Oh, ne vous faites pas de soucis, monsieur, j'ai un treuil ! Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, à nous la neige, la Grande Rouge. Attention, hop, c'est parti. Hara, youhou. Non! C'est carrément la catastrophe quand quelque chose tombe chez Monsieur Grognard. On n'en revoit jamais la couleur. C'est dans mon jardin, maintenant c'est à moi. C'est dans mon jardin, maintenant c'est à moi. C'est dans mon jardin, maintenant c'est à moi. J'ai pas du tout envie que la Grande Rouge finisse comme le reste. Surtout que c'est le premier jour des vacances scolaires. Hé, les lads!
Retirez-moi ces atrocités sans nom. Vous allez faire baisser la valeur de l'immobilier dans le quartier. C'est trop risqué d'aller chez lui tout seul. J'ai besoin de renfort. Clyde, viens. Salut Lincoln, je prépare le gui pour le baiser de Noël. Cette année, je veux surtout pas gâcher la seule chance que j'ai de pouvoir...